Bonjour à tous. Nous sommes samedi soir. Il est presque 21h. Donc nous dans le Calvados, en attendant le confinement à minuit, nous sommes d'ores et déjà en couvre-feu, puisque le couvre-feu s'applique encore ce soir jusqu'à minuit. Donc nous sommes tous à la maison. Et tous rentrés, mais cet après-midi, vu que le confinement était à partir de ce soir, j'ai profité de mon après-midi où je ne travaillais pas pour aller faire encore un petit tour à Action et à Nauze. Donc cette fois-ci, je suis allée à Bayeux, parce qu'à Bayeux, ils sont côte à côte, c'est-à-dire que les portes de magasins se trouvent vraiment côte à côte. C'est la même, c'est dans une galerie marchande, ils sont vraiment juste l'un à côté de l'autre. Donc voilà, alors que sur Saint-Lô, où j'aime aller à Action parce qu'il est beaucoup mieux achalandé et le Nauze est très bien. Après, celui de Bayeux, je ne connaissais pas encore parce qu'il est ouvert depuis mercredi 13, mardi 13, pardon, enfin, en tout cas le 13. Et je ne le connaissais pas, c'est la première fois que j'y allais. Donc voilà, en allant là-bas, je préférais parce que comme ils sont côte à côte, ça m'évitait de reprendre la voiture. Et j'ai bien fait parce que sur les parkings, les gens, ils sont fous, quoi. C'était la folie furieuse. Donc voilà. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'ai vu dans les statistiques de la chaîne que il y avait 40% de personnes qui regardaient les vidéos qui n'étaient pas abonnées. Donc sachez qu'en vous abonnant, vous avez la possibilité d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un commentaire en dessous. Et voilà, je passe au hall à présent. Je commence par Nauze parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Il y a certains articles que je ne vous fais pas voir. Il y en a deux en fait. Parce que ce sont des choses que je vais mettre dans des échanges et que les personnes avec qui je fais ces échanges-là regardent les vidéos. Donc pour commencer, j'ai repris les petits trombones, pardon. Donc ils sont pas très très grands. Donc voilà, c'est des trombones de taille normale, mais ils sont de couleur or rose. Donc je les trouve très sympathiques et le petit pot il est très joli ma foi. Donc voilà. Donc comme ça va me faire trois pots en sachant que dans celui-ci j'avais eu au mois d'août je crois. Ce sont les plus grands trombones. Donc voilà, donc j'en ai pris deux et ils étaient à 1,50 €. Le Nauze à Bayeux, il y en avait vraiment énormément encore en rayon. Mais je vous dis ça, malheureusement, vous ne pourrez pas y aller. Donc je les pose là parce que moi je les range dans mon trolley. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Ceci, c'est pour mettre dans les. Dans la hotte du Père Noël de chez Tatat. Donc Tatat, c'est le surnom que me donnent les enfants que j'accueille. Et le Père Noël passe. Et bah, cette année, dans la hotte du Père Noël, entre autres, il y aura ceci. Ce sont des fraises avec leur petite barquette en carton. Je sais bien que la barquette fera pas longtemps, mais je leur en fabriquerai une en feutrine avec ma machine à coudre qui sera un peu plus solide. Donc à l'intérieur, il y en a 15. C'est marqué 4 ans et plus, mais bon, à partir de 3 ans, normalement, ils peuvent très bien jouer avec, en sachant que moi, dans la salle de jeu, ils ne sont jamais sans surveillance. Donc voilà. Ça, je vais mettre dans ce sac-là. Oh, je suis désolée, c'était pas prévu. Au lieu de lancer dans le sac qui descend au rez-de-chaussée, j'ai gentiment jeté ça sur la porte du placard. Je m'excuse. Ensuite, j'ai trouvé ce set de tampons. Donc je vais l'ouvrir. Non, d'ailleurs, remarquez, on les voit bien derrière. Donc vous avez c'est des tampons sur Noël avec des petites enveloppes, une belle boîte aux lettres. Donc elle peut faire toute l'année. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les enveloppes peuvent faire toute l'année. Hormis peut-être celle-ci, c'est écrit, je pense, l'adresse North Pole.
Et là, ce sont celui-là aussi, spécial mail, donc ça peut faire toute l'année aussi, mail aussi. Et les autres, par contre, non. Donc voilà, je les ai trouvés très sympathiques. C'est de Studio Light. Ça fait partie de la série Essentials. Et je ne les avais pas encore vus dans les autres mes autres visites à Noz. Dans la même série, j'ai pris celui-ci. Donc avec un tampon Polaroid, un tampon mou. Alors c'est écrit It's the most wonderful time of the world. Donc c'est le meilleur moment de l'année. Et en bas, vous avez deux petits tampons où c'est écrit Merry Christmas. Donc là, avec le tampon, vous avez une petite épingle en bois, une épingle à linge, hein, qui est avec une petite étoile. Donc voilà. Comme une pancarte et une autre étoile ici, un petit sapin. Le petit sapin est caché sous l'étiquette. J'ai repris des sets de perles comme ceci. Donc normalement c'est pour faire ce collier-là, celui-ci. Mais moi je m'en sers pas pour faire le collier, je m'en sers pour mes bijoux d'album. Et je me suis servi pas mal ces derniers temps des perles et donc bah, il ne me restait plus beaucoup. Et j'ai repris également celui-ci dans les tons plutôt. Alors celui-ci c'est dans les tons cuivrés. Et celui-ci c'est dans les tons turquoise. Dedans, je m'excuse du bruit. Alors attendez, non, je vais faire pause. Donc voilà, je les ai ouverts. C'était un petit peu plus long que prévu, mais enfin vous en êtes certainement pas rendu compte puisque j'avais mis pause. Pardon, je vous ai fait bouger. Je disais donc ça a été un peu plus long que prévu parce que je me suis blessée avec mon cutter. Donc pas très grave, j'ai juste le cutter à ripé et je me suis retrouvée avec le cutter légèrement enfoncé dans le doigt. Donc c'est pas très grave, mais ça saigne quand même. Donc voilà, je vais avoir un gros bleu et puis certainement enfin, un bel hématome sous la peau. Mais ça a l'air de se refermer, donc je vais attendre un petit peu. Donc je vous explique. Dedans vous avez donc des grosses perles, des perles, donc celles-ci sont plates, des perles plates un peu plus petites. Là ce sont deux perles rondes avec des facettes. Là des plus petites avec des facettes aussi. Là des ovales et des pareil avec des facettes. Des perles or de deux tailles différentes avec des facettes. Des perles rondes or. Des perles noires. Ça c'est une petite chaînette. Et ça, c'est un mélange de petits anneaux ouverts, de tiges avec une boucle au bout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? C'est pas pratique avec un doigt au moins. Alors, attendez. Là. S'il le posait, ça devrait plus saigner normalement. Non, c'est bon. Peut-être pas trop que je m'y amuse, mais bon, ça saigne plus pour l'instant. Donc ce sont des tiges comme celle-ci. Un bout, voilà, ça c'est pour faire des perles. On met des perles et on referme ici avec une pince. Ensuite, dedans, vous avez des fermoirs, des anneaux. Des petits et des grands. Voilà, je ne vais pas tout sortir parce que vu que j'ai quand même mon doigt légèrement occupé ce soir. Donc voilà pour le premier set. Et pour le deuxième set, vous avez des anneaux. Il fait quand même nettement moins complet celui-là, comme si quelqu'un l'avait déjà ouvert. Mais bon, c'est pas grave de toute façon. C'est pas ce que je recherche en premier. Donc des anneaux, un petit fermoir, deux petits pinces rubans, des perles plates avec un petit. C'est du vert avec à l'intérieur il y a de la couleur. Des perles comme ceci. Des perles transparentes rondes à facettes et des perles. Non, c'est tout. Les autres sont rondes aussi. Ouais. De la cordelette en fil huilé. Et un. Comment ça s'appelle? Bah, deux perles comme ceci, là en anneau. Dedans, elles sont percées, donc on peut passer le fil dedans comme ça et mettre une perle au milieu.
Ça, c'est pour le deuxième. Et enfin, il faudrait peut-être pas que je trouve que j'ai touché mon doigt. Je mettrai un pansement tout à l'heure. J'ai pris une perforatrice comme ceci. C'est de la marque Multirex. Donc, elle fait une fleur comme ceci. Ça, je vais la mettre. Donc, elle était à 1,99€. Pour le papier, maximum 160 grammes. Et ça, je vais le mettre dans le calendrier de l'Avent de ma fille. Et les perforatrices qui lui appartiennent sont avec les miennes dans mon tiroir. Et je sais qu'elle ne m'en voudra pas si je m'en sers. Donc voilà, je pense que ça doit faire des fleurs, mais percées, et non pas des fleurs découpées. À voir. Mais bon, je ne l'ouvrirai pas avant qu'elle l'ait dans sa case. Donc 1,99€, et je ne vous ai pas dit, les kits de bijoux, ils étaient à 0,99€. Donc voilà, ça c'était tout pour Nose. Petit haul de Nose. Action, c'est pareil, c'est pas un très grand haul. Je rapproche la chaise où est posé mon sac. Mais il y a plus d'articles. Alors j'ai retrouvé de la laine fausse fourrure comme celle-ci. Un peu comme celle que je vous ai fait voir la dernière fois. Donc ça va m'éviter de la déplotonner. Donc normalement, elle fait... Attendez, hop, je vais juste enlever ce bout-là. Elle fait des boucles comme ceci. Mais moi, je les découds. Où est-ce qu'il est, mon petit ciseau? Il est là. Donc, vous voyez, c'est juste un fil qui est là. On le coupe. Et donc, après, on ouvre cette partie-là pour que la pelote de laine se mette bien à plat. Alors forcément, les poils se mélangent un peu, ils sont un peu, voilà. Donc il y a encore le fil là qu'il faut enlever. Voilà, donc là, ça se met bien à plat. Et donc vous pouvez le coller sur une bordure d'album ou sur une autre création pour faire un effet fourrure. Voilà, moi je trouve ça sympathique. Donc celui que j'avais acheté, il était blanc, légèrement rosé. Et celui-ci, il est, c'est un gris très très clair. Il est vraiment magnifique. Il y avait un effet un peu plus peau de lapin. Et il me semble qu'il y a une autre couleur sur le site, mais elle n'était pas aux actions à Bayeux. Donc moi, je la range là, dans mon bac, en dessous du bureau, où je range, décidément, je vais tout tomber, mes pelotes de laine. Ensuite, j'ai repris une comme ça. Là, c'est un peu défaite. Donc, je ne vous ai pas dit le... Non, je l'ai pris, je voulais mettre en incrustation. Parce que chez Action, ils ne sont pas écrits dessus. Et je n'aime pas t'y chercher sur le ticket de caisse. Donc, je voulais mettre en incrustation sur l'écran. Donc, celle-ci, c'est la Sparkle. Elle fait un peu guirlande de Noël. Mais moi, je la trouve géniale pour les créations. La mettre surtout dans les junk pour faire des décorations de bord de page. Donc, voilà. Alors, elle fait 85 grammes pour 169 mètres. Et pour celle que ça intéresse, elle s'est fait pour aller sur des aiguilles de 3,5. Et celle-ci, l'effet fausse fourrure, elle fait 230 grammes. Et il y a à peu près 10,5 mètres. Donc, elle est en polyester, celle-ci. Et c'est pour des aiguilles. Est-ce que c'est marqué les aiguilles ou est-ce que c'est à la main? Écoutez, c'est pas marqué, mais à mon avis c'est pour des très très grosses aiguilles, ou bien alors pour faire à la main, vous savez, quand on fait sur son bras ou sur sa main. Mais vu la taille de la laine, à mon avis les aiguilles doivent être très très grosses. Donc voilà, donc là comme ça, moi ça me permet de finir mes créations de Noël. Ensuite, j'ai pris cet article là donc c'est un tapis en silicone pour la cuisine. C'est pas pour moi, c'est j'ai eu au téléphone Clarisse, parce que je savais qu'elle en cherchait un, donc je lui ai envoyé la photo, parce que dans Action à Saint-Lô ne l'avait plus. Donc elle m'a demandé de lui prendre, donc à l'occasion d'une course le samedi, quand j'irai faire mes courses. On s'arrangera pour qu'elle fasse ses courses le même jour et je lui donnerai son dû. Donc voilà, il y a ça et puis encore un article, je crois. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris du scotch
Double face mousse, effet 3D. Donc vous le connaissez, hein. Ensuite, j'ai repris du double face simple. Donc j'en ai pris 4 rouleaux. Faut que je regarde combien il m'en restait, mais ça fait partie avec la colle des choses. Ça fait partie avec la colle, ça fait partie des choses qui m'ont énormément manqué pendant le premier confinement. Donc j'ai été prise une fois, pas deux. Donc pareil, j'ai racheté de la colle, la Takigo, de la Takigo, de la Takigo et de la Takigo parce que je ne veux pas tomber en rade de colle. Et ça, premier confinement, j'avais plus rien, donc vous voyez. Et je me suis pris également, parce que maintenant je travaille avec cela également pour faire les... Quand je place mes photos, ça me permet de ne pas être... qu'elles soient quand même fixées comme c'est repositionnable. Donc voilà, c'est du rouleau colle, double face, pas de si double face. Et il est repositionnable. Donc chez Action, ils font 8 mm de large et il y en a 8 mètres. Là. Ensuite, j'ai repris des petites boîtes de bijoux comme ça parce que je commençais à ne plus avoir de perles de cette variété-là que j'adore. Donc, vous connaissez les kits, hein, comme ceci. Là. Et celui-ci, pareil, en turquoise, j'adore. C'est les trois couleurs que j'aime dans cette série et je ne prends pas les autres couleurs, je prends toujours ces trois-là. Ensuite, j'ai pris également ces perles-là, désolée pour le bruit. Donc celles-là sont aussi turquoises, mais elles sont un effet fer, mais avec comme s'ils avaient été éclaboussés par la peinture turquoise en fait. Voilà. Ensuite, ça je vous le ferai juste après. J'ai pris des pinces comme ceci parce que moi je m'en sers pour les glisser dans mes créations quand j'envoie quand je fais des l'audit par exemple, ça me sert à fixer mes créations sur mon support, donc au final ça part très vite. Et j'ai repris des comme ceci, donc il y en a trois couleurs, non quatre couleurs, du rouge, du vert, de l'or et de l'argent, et j'en ai pris deux paquets parce que je vais en glisser quelques-unes pour dans le lot du concours. Ensuite, j'ai repris des blocs papier. Alors, il y en a 4. Voilà, il y en a 1, 2, 3 pour moi et 1 pour Clarisse. Donc, de Clarisse Scrapbooking qui... n'en avait pas trouvé dans son action. Donc voilà. Donc noir, blanc, enfin blanc, craft et noir. Donc ils sont tous avec le même dessin sur le devant aujourd'hui. Donc voilà, de deux épaisseurs chacun. On le connaît tous. Hein. Hop, et le sac est vide. Donc vous voyez, c'est pas un très gros haul. C'est dans la poubelle. Ensuite, ça je vais le glisser dans le lot du concours. Donc, j'ai pris ces fleurs-là. Je ne crois pas que je les ai, mais j'ai énormément de fleurs de chez Studio Light. Et également d'autres marques, d'ailleurs. Donc, je me suis dit que je n'allais pas me l'acheter pour moi. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas. Peut-être, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais bon. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le mettre dans le lot du concours. Et j'ai repris celui-là avec les petits animaux, que je mettrai également dans le lot du concours. Donc, ces deux choses-là... Hop, dans la bannette de l'échange. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas un très gros haul parce que au final Action, j'en avais pour à peu près 32 euros, peu de choses près, en sachant qu'il y a un bloc comme ça et le tapis de cuisine qui lui était à 2 pas le retrouver, je vous dis je cherche pas les prix, mais au final je vous les cherche. Il y a juste celui-là je voulais vous faire voir, lui le prix c'était 2,99
Donc voilà, il y a ça sur les 32 euros, donc ça fait 3 euros en moins. Et le bloc qui lui est à 1,95 €. Donc j'ai 32 euros, ça me fait pour moi 27 euros. Donc c'est pas beaucoup. Et pour Noz, j'en avais pour 17 euros et des boîtes, presque 18 euros. Donc vous voyez, j'ai pas été particulièrement très gourmande. Mais bon, j'étais déjà allée chez Action la semaine dernière, samedi dernier, mais c'est même pas la semaine dernière, samedi dernier, donc voilà. Donc voilà, 20 petites minutes. J'espère que cette période difficile, vous la vivrez le mieux possible. Je vous souhaite du courage et surtout protégez-vous, mais amusez-vous dans le scrap surtout. Au revoir.